c'est pas moi, c'est ma fille qui est en train de vous présenter les légumes. Moi, je suis là. Coucou. Quand je dis Unaisha, c'est en swahili. Des gens qui comprennent, ça veut dire tu as fini. Ça, ce sont les légumes hein, pour quelques jours. Voyez nos légumes, comment c'est sale. Ça, ça est au-dessus du congélateur. Il faut bien laver toujours les légumes quand vous achetez ça. Ces derniers temps, il n'y a pas vraiment les ailes au marché. C'est les petits, petits ici. Souvent, moi, j'aime pas ça. Ça prend du temps pour faire. Vous voyez, c'est petit vraiment. C'est ce qui est au marché ces derniers temps. Merci. Il continue avec vous, hein. Vous voyez ça? C'est seulement comme on avait déterré. Donc il faut vraiment faire très très attention. Il faut laver avec beaucoup d'eau. Donc tout ça, on va après. Ça ici, ça va, on va laver, mais ça va rester dehors. On va pas mettre ça dans les frais. Mais les légumes. Excusez-moi, je suis un peu crêpée. Les légumes, on va enlever ça aux tiges ici. On coupe, on lave, on met dans l'eau chaude et puis on met dans le frais, dans les congélateurs. Les jours qu'on aura besoin, là, on peut préparer. Et ça, c'est la tomate aussi. On va laver, ça va rester dehors. N'oubliez pas toujours de laver avec les vinaigres. Donc, vous lavez avec les vinaigres et puis par après, vous relavez avec de l'eau normale. Ça, c'est j'ai pris les moyens parce que les gros, des fois, ça s'abîme très tôt. Mais les moyens ici, quand c'est dur comme ça, ça traîne quand même. Alors, on vous a montré tout ça. C'est tout comme notre retour des courses pour aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vais vous montrer ce qu'on va préparer aujourd'hui. À tout à l'heure. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager nos vidéos. Si c'est votre première fois, ne quittez pas sans s'abonner sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé quand nous postons nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit tout à l'heure. Là, on a déjà épicé. C'est le bout des côtes. Hein? Il y a quelque chose ici. Un peu d'eau, ce que j'avais mis avec c'est déjà séché, je vais ajouter un peu d'eau là.
L'huile est trop chaud, hein. J'ai mis ça, j'avais déjà même déjà oublié que j'avais mis l'huile. Que j'attends que ça puisse se refroidir un peu, puis je vais mettre la tomate. Sinon, ça va salir de partout ici. Je fais la sauce pour mes bouts de côte. J'ai préféré commencer avec la tomate. C'est notre tomate. Hein? Comme on n'avait pas enlevé comme on n'avait pas enlevé la peau, c'est la peau qui se voit là, mais la tomate est déjà là. Oui. Là, on va mettre les oignons, les poivrons. On va laisser ça aussi un peu de temps. On avait ajouté un peu de sel ici. Hein? À part ce qu'on avait mis dans les bouts de côte. Ici c'est les riz. Je vous avais dit la fois passée que les casseroles ici, ces couvercles est déjà abîmé. La couvercle de la casserole est déjà abîmée. Là maintenant on commence à se déplier avec le sang. Donc ça débordait un peu là. C'est ici qu'on laisse. Ça va. Thank you.
les légumes. On a déjà mis l'oignon, le persil, le sel, un peu d'eau aussi. Et là, je viens d'ajouter une olive. C'est vraiment très très bon, ça sent bon. Beaucoup de sauces pour les gens qui vont manger avec les riz. Famille nombreuse, hein? Ça c'est pour les gens qui mangent les riz. Ça c'est pour mon bébé, hein? Il ne mange pas beaucoup. Il faut me mettre 6 et 7 comme ça. Que les légumes puissent faire pour que ça puisse sortir vert, ce n'est pas seulement pour mettre les bicarbonates. Vous pouvez aussi mettre de l'eau chaude au lieu de mettre de l'eau froide avant de commencer de bouillir. Vous voyez comment c'est vert. La maille, hein? Vous voyez? Je n'ai pas mis de bicarbonate. Ça, c'est seulement avec les persils, l'oignon, le sel et de l'eau. Je n'ai pas mis d'autres histoires. Aujourd'hui, je n'ai pas mis les aubergines. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, on se revoit à la fois prochaine. Bye. Là, j'ai fini à la cuisine. Je suis venue me reposer un peu au salon. Je suis avec mon mari ici. Hein. On n'a même pas allumé la télé. Nous sommes en train de se reposer un peu. On verra d'autres histoires après. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne revenez pas, on se revoit à la fois prochaine. Merci. Bye.